Bonjour, cette semaine j'ai lu pour vous Le Prieuré de Crèce de Sandrine Destombes. Alors moi j'avais beaucoup aimé Les Jumeaux de Piolenc que j'avais lu l'an passé et donc j'avais vraiment hâte de découvrir ce nouveau livre et j'ai pas été déçue. Donc l'histoire commence très rapidement, on suit un policier qui est en train de faire du radar, qui intercepte une dame qui fait de la vitesse. Il pose quelques questions à la fillette qui est assise à côté, qui lui parle de 66B et que ben dans le fond elle sait pas où est sa mère. Ça se lance dans une chasse-poursuite. Vraiment, ça c'est juste le premier chapitre. Et un petit peu comme pour les Jumeaux de Piolenc, j'ai eu beaucoup de misère à m'arrêter de lire le livre. Les chapitres sont courts puis ça se dévore en entier. Je comparais beaucoup à un sac de chips parce que tu dis « Ah, je vais juste lire un petit chapitre » puis tu te ramasses à en lire genre 10. Alors moi je vous le recommande vraiment. C'est vraiment plein de rebondissements. Il y a beaucoup de psychologie derrière tout ça. Donc, moi je vous dis, vous allez passer un bon moment, mais encore une fois, vous allez manquer de sommeil. Bonne lecture!